Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis sur un lieu particulièrement macabre. Je me trouve dans l'allée qui dessert ce lieu. Je suis en pleine forêt. Et d'ores et déjà, plus je marche sur ces terres, plus je ressens une énergie particulière. On ressent ici une histoire, on ressent une énergie, on ressent de la souffrance. Et c'est peu dire quand on connaît l'histoire de cet endroit et le pourquoi il a été créé. Cet endroit est un lieu de recueil. Je suis très touché d'être ici sur ces terres sacrées, ces terres macabres, où la violence, il y a quelques nombreuses années, a fait rage. Ici ont été tuées énormément de personnes. Ça va du bas âge à l'âge le plus ancien. Ça situe un petit peu l'étendue de la violence que l'homme a fait abattre sur cet endroit. Voici donc l'endroit où nous allons enquêter ce soir. Un endroit vraiment, moi je vous le dis honnêtement, depuis que j'ai mis les pieds sur cette allée, on ressent une atmosphère particulière. Cette chapelle est en plein cœur d'une clairière. Donc tout autour, il y a cette grande forêt et, comme son nom l'indique, une clairière et sa chapelle, comme vous avez pu le voir là, maintenant. Donc je vais m'approcher, je vais me familiariser avec cet endroit, attendre que la lumière tombe et on va se plonger dans le noir et vous allez me suivre donc dans cette nouvelle expérience paranormale. En 1794, les habitants d'Isernay et des environs fuient les massacres perpétrés par les colonnes infernales de Thureau. Ils se réfugient dans la forêt Stofflet, devenue général en chef de l'armée vendéenne. Il y a installé son quartier général et le chirurgien Louis Desormeaux, un immense hôpital de campagne. Le 23 mars 1794, une colonne de soldats guidée par un agriculteur républicain fait irruption dans le campement et massacre hommes, femmes, enfants, vieillards, malades. On ne connaît pas précisément le bilan de cette tuerie, mais il s'élève à plusieurs milliers de personnes. En 1921, le comte de Colbert, propriétaire, fait édifier ici une croix, sur les lieux du massacre où ont été enterrées les victimes. En 1862, c'est une chapelle qui y est construite. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, j'aimerais bien présenter et expliquer pourquoi on est là. On a l'impression que vous avez déjà regardé un petit peu ce qu'on a essayé d'installer. Vous avez déjà un petit peu peut-être une idée pourquoi on est là. Je vais me présenter. Je m'appelle Rogers. Je m'appelle Amandine. Julien. Et je voudrais que vous sachiez pourquoi on est là. On est là pour essayer de communiquer avec vous. On est là pour essayer de connaître un petit peu votre histoire. Savoir s'il y en a encore qui sont encore là. Savoir s'il y en a qui ont envie de nous dire leur histoire. Vous avez
plusieurs appareils un petit peu partout, ce qui vont faire du bruit, ce qui vont émettre de la lumière. Et ça a suivi le mouvement. C'était flagrant là. Toi, t'as entendu, ça fait tout le ouais. tour. Ici, ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ça a fait tout le tour. Comme si ça courait ou. Ouais. Mais d'accord. Là. Moi, je suis parti par là, mais j'ai plus. En... Ouais. Alors, sache qu'on vient pas du tout pour dégrader. Mais tiens. Non, ça a bougé. C'était un animal. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, ça peut. On n'est pas là du tout pour dégrader. Mais. On vient avec du respect. On vous offre la chance, si vous voulez, de venir parler avec nous. Soit vous pouvez parler directement, soit vous pouvez utiliser nos matériels. Tout est à votre disposition. La seule chose que je demande, c'est que ça soit fait avec du respect pour nous, ainsi que nous, on va faire envers vous. J'ai appris que vous êtes enterré ici. J'ai appris que c'est un terrain de bataille. Est-ce que cela est vrai? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je ne sais pas si tu as remarqué, tu sais, à l'entrée, il y a une sorte de grosse plaque. Oui. En et fait, c'est là l'entrée? Apparemment, il y aurait une sorte de crypte. Ah, ici. Ok. Il faudra qu'on aille voir tout à l'heure. Si, ouais. Après, voilà. Ça, ouais. Ça peut être partout. Ouais. C'est pas obligé que ça soit que ici, mais il faudra qu'on aille voir. Il n'y a rien autour. C'est une forêt à perte de vue. Par des arbres, des bruits. Voilà. Tout à l'heure, on n'avait pas autant. En fait. Non, c'est dès lors qu'on a commencé. Hein. C'est la boîte à musique qui est là-bas, non? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, la boîte à musique qui est sur le devant. Ouais. Et là, il y a une prod qui est placée juste là. Ouais. Donc on va essayer de voir si on peut montrer un peu cette crypte sans trop dévoiler la place. Alors. Apparemment, c'est ça l'entrée. Oui, oh oui, c'est carrément ça. Hein. C'est ça. Ah ouais, 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 ouais. Vous voyez quoi? Rien, il y a un tunnel. Ah, il y a un cercueil, je le vois. Il y a un cercueil? Ouais. Ah, j'arriverai pas à faire le focus, mais... Oui, oui. Ouais, il y a un truc. Il y a un cercueil à gauche. Ouais. Tu regardes sur la gauche, tu vois. Eh, mais je vois rien du tout. Regarde avec la... Viens. Ah ouais, tiens, attends. Ouais, tu prends. Ouais, purée, il y a des marches juste après. Non, c'est pas des marches. Ouais, il doit être assez grand en dessous. Mais le cercueil, il est sur la gauche. Tu l'as vu? Ouais, ouais, je l'ai vu. Ouais. Merci. C'est spécial, hein? Ouais. On rigole, mais c'est ça fait bizarre de voir ça. Ouais, ouais, ouais. Si t'as accès là-dedans. Waouh. Donc voilà, on n'est pas là pour. Pour dégrader, pour vous manquer de respect ce soir. On vient pour parler avec, avec vous, si vous êtes toujours ici. Sachez qu'on est là avec beaucoup de respect. On fait ça depuis très longtemps.
Et... Il y a quelqu'un d'autre qui revient, là. Ah ouais? T'entends? Non. Avec la musique, j'ai du mal, hein. Plusieurs appareils un petit peu partout, ceux qui vont faire du bruit, ceux qui vont émettre de la lumière. Ok, là c'est chelou, il n'y a plus. Si, là, t'entends pas? Monte un tout petit peu, t'as la lumière. Si, là, t'as entendu aussi. Mettez-vous dans le noir pour voir. Juste pour voir. Je sais qu'on verra rien sur les caméras, mais... Là. Tu peux rallumer. Vous pouvez rallumer, hein. C'était juste pour voir. Si quand on éteint, ça... Ça s'intensifie ou pas. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Eh, vous avez pas entendu ? Si, j'entendais un bruit, ouais. Ça a craqué, hein ? Attends, je viens de marcher, là, non ? Après, on est nuit, hein ? Ouais. Peut-être des animaux ? Ouais. Parce que c'est début de soirée, en plus. Ouais. Oh, putain ! Frelon ! C'est la lumière, il y avait un frelon. Ah ! Frelon. Oh, quoi? Putain! Quoi? T'as couru, j'ai couru! Ah ouais! En fait, il y avait un gros frelon qui m'arrivait dessus. Je me suis pas arrivé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Il y a un truc, je vais monter les escaliers! En plus, ça te protège rien, je sais même pas pourquoi j'ai monté là! Je t'assure, le frelon, mais il était violent, quoi! J'ai vu courir! Si je cours! Bah écoute! Je me suis froncé un bout de cuisse! Non! Par contre, on ne peut pas qu'on reste à côté de la caméra qui est à l'intérieur. Ah. Bah écoute, désolé. La prochaine fois, je m'exprimerai. La panique sur sa tête, ah ouais. Elle est partie. Hein. On est tous partis. Hein. Mais oui, même toi, t'as pas compris parce que tu. J'ai pas compris, j'ai couru. Pas... Franchement, je me suis dit, il y a un animal ou un truc qui te charge. Et j'ai monté, je me suis dit, bah, mais après, ça sert à rien. Non, mais en fait, vous l'entendrez dans la vidéo. On entend le frelon qui arrive, oui, à balle sur moi, tu vois. Bon, après, j'ai dit, on va pas trop filmer la face. Ouais, c'est un peu raté. Oh, dis donc. Ok, on va essayer de pas trop filmer la face, faire comme si vous avez rien vu. Il faut pas mettre des. En fait, tu peux, c'est pas que c'est interdit. C'est juste que je pense qu'au niveau plan, là, tu peux avoir des ennuis. Ah oui, ok. Ouais. Ok. Mais... Parce que c'est de l'église, quand même. Il y a quand même, ouais, une belle façade. Ouais. Oh, je suis désolé, je parlais normalement, mais moi... T'inquiète. Après, je pense qu'on peut filmer la façade. De toute façon, voilà, le lieu, il est comme ça. Il y a une caméra à l'intérieur. Mm. Ils verront bien que c'est pas nous. S'il y a des dégradations. Oui, de toute façon, on a filmé, ouais, pour montrer que c'est pas nous. Donc. On est très respectueux. Fin... Notre expérience commence à peine et nous vivons déjà des sensations fortes autour de cette chapelle, en plein cœur de cette clairière. Cette situation peut paraître cocasse, mais quand un frelon décide de vous attaquer, vous n'avez pas d'autre choix que de courir
pour éviter une éventuelle piqûre. Malgré cette expérience peu engageante, nous décidons de reprendre le cours de notre enquête au cœur de cette terre marquée par son passé. C'est quand même une belle petite chapelle. Ouais. Oh, et donc voilà. Il doit être perdu, il a perdu sa maison. Ouais, je pense que c'est la lumière. Décidément, une enquête rocambolesque dès le départ. Hein. Ouais. Something, il y a quelque chose là, mais... De ce côté? Partout, partout, ça nous regarde, mais ça nous regarde de loin. Je vois comme si il y en a autour, pas ouais. Partout, partout, mais il regarde, juste regarde. Genre, c'est stupide. Tu vois, qu'est-ce que vous faites? Ouais. Tu vois ce type de... Ouais, qu'est-ce ouais. que vous faites? Vous avez l'impression, que vous aussi, que vous n'êtes pas à votre place? Un petit peu, ouais. Oui. Qu'on genre... Des intrus, genre... Un peu, ouais, oui, c'est ça. Un peu ça, ouais. Ouais, ouais. Après, tout à l'heure, en off, on parlait... c'était délicat, les lieux religieux, tu vois. Ouais. Qu'il y a tout ouais, un... Souvent, les églises... Un état psychologique à côté... Enfin, chaque personne qui se respecte... Je sais pas comment expliquer ça, mais quand on fait une vidéo dans un lieu religieux, comme on en parlait, on a toujours cette impression-là. Alors je suis désolé si peut-être vous pensez qu'on est là ou moquer autre, c'est pas du tout le cas. On fait ça assez sérieux, je vous assure, même si pour l'instant ça donne peut-être pas l'impression. On sait que c'est un lieu de culte, on sait que c'est un lieu de respect. On a vraiment envie de connaître votre histoire, de savoir un petit peu quelque chose sur vous. Ce que vous avez envie et possibilité de nous dire. S'il vous plaît, si vous comprenez ce que je vous demande et vous êtes d'accord de montrer que vous êtes là avec nous, est-ce que vous pouvez nous faire un signe, un bruit, un appareil, ce que vous pouvez? Qui c'est qui a fait ça? Ah, c'était là-bas, c'était un ouais. branche qui a bien craqué. Écoute, ouais. Genre trois coups. Ouais, hein. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez, par exemple, vous faire entendre, mais pas autour comme ça? Si vous avez peur de nous, faut pas hésiter à faire sonner un des appareils si vous les voyez. Approchez-vous. Approchez-vous, ouais. On a des appareils aussi qui sont capables de nous indiquer des choses plus concrètes. Des choses de votre part, on les allumera tout à l'heure. Pour l'instant, on commence tranquillement. On prend un petit peu la température de cet endroit. Donc n'hésitez pas. On est là vraiment pour vous ce soir et en total respect. On sait que vous avez vécu un moment terrible ici. Et si vous voulez témoigner de ça ce soir, bah, sachez que c'est possible. On serait très heureux de montrer au monde votre récit, de raconter avec nos moyens, avec les meilleurs moyens qu'on puisse avoir, de raconter à cette histoire, votre histoire, aux gens qui nous regardent. C'est ça le but de notre venue ce soir. Est-ce que vous pouvez nous
un signe. Un bruit, un appareil, ce que vous pouvez. C'était là-bas, c'était la revanche qui a bien craqué. Pourtant, ouais. trois coups. Ouais, hein. On est là uniquement pour ça. On n'est pas là pour vous embêter ou vous dégrader. Sachez-le. Si vous êtes dans l'église, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez allumer un de ces appareils? Je pense qu'il y a du monde dans l'église tout à l'heure. Si vous avez besoin d'énergie, essayez avec l'appareil qui est par terre. Il y a une antenne. Je suis sûr que vous pouvez sentir l'énergie dessus. Approchez-vous. N'ayez pas peur. Ça craque derrière. Ça craque de partout. Ouais. Autour de nous. Mais ouais, c'est ce que tu vois, c'est par là. Ouais. T'as l'impression que ça galope. Ouais. Ou alors que ça se rapproche, tu sais, tout doucement. Oui, c'est ça. Mais c'est tout, ça. En même temps. Ouais. Enfin, limite, c'est comme s'ils arrivaient en même temps. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'avez pas entendu, là? Là, j'ai entendu un cheval ou un truc. Non, mais c'est marrant. Là, j'ai entendu un peu. Ah ouais. Tu vois, quand à l'heure, je t'ai dit, en arrivant, j'ai eu l'impression d'avoir des chevaux qui galopaient. Trop. Et on était en plein jour encore. Hein. Oui, et j'ai comme si j'avais essayé des chevaux... Ouais. Des chevaux blancs qui arrivaient. Ouais. Tu sais quoi? Ça venait de là, et en plus, il y a un chemin qui... Ouais, il y a un chemin. Vous avez pas entendu? La boîte à musique devant? Il y a quelqu'un quoi. Ce qui est très étonnant et troublant sur cette séquence, c'est la longueur des manifestations inexpliquées. Pour résumer la situation, nous sommes à l'avant de la chapelle,
suite au déclenchement de la boîte à musique de Light in the Dark. Je suis le premier à partir vers cette direction et c'est à ce moment-là que ma caméra principale s'éteint brusquement et sans explication. Peu de temps après, on entend clairement quelque chose marcher dans la forêt qui, je le rappelle, est en friche et bourrée de ronces. Mais c'est à l'arrière de la chapelle que les choses s'enchaînent rapidement. Je rappelle que nous n'avons pas conscience de ce qu'il se passe à cet endroit. Tout commence par ces bruits de craquements qui sont parfois faibles et forts par moments, s'ensuit le déclenchement du REM pod. Mais ce qui me trouble le plus, c'est ces détonations à plusieurs reprises que mon dispositif d'enregistrement sonore capture. Sur place, et même surtout à l'avant de cette chapelle, nous n'entendons rien. Seul le micro est capable de capturer ces sons étranges. Avec le recul et en ayant connaissance de l'histoire de cet endroit macabre, je pourrais lancer l'hypothèse que j'ai, à ce moment précis, enregistré des sons résiduels. Un combat, des brides d'une tragédie passée, est-ce possible de capter des sons aussi forts sur un lieu meurtri par son histoire, ses souffrances, pour ces milliers de personnes massacrées par la colonne infernale en 1794 ? C'est là toute la complexité de cette séquence. Il est difficile pour moi d'affirmer que ces événements sont liés à l'histoire de cet endroit, mais il est aussi difficile de garder une part de rationalité. C'est la première fois que mon appareil s'éteint. En pleine enquête. En mode enregistrement. En rec, quoi. Je veux pas tout prendre pour du para. Et... Encore ici, ce chemin. Alors, c'est quoi dans le chemin? J'ai pas eu le temps ouais, de vous le dire, on a été coupé. J'étais là-bas, donc pas si loin que ça par rapport à vous. Et vous parlez pas. J'ai entendu deux personnes en train de parler là-bas. Ça faisait une conversation, mais tu sais, étouffée. Ça faisait un truc comme ça. Je vous assure. Alors, est-ce que les deux jeunes qui sont passés, ouais, vu que tout à l'heure ils tournaient en rond, est-ce que... Il n'y avait pas de lumière. Ils avaient des tout petites lampes. Non, d'accord. Je sais bien, téléphone, mais là, il n'y avait pas de lampe, là. Oh. Je ne sais pas, hein, j'essaie de savoir comme vous. J'essaie de l'éliminer. Ouais. Ils ne s'amuseraient pas à marcher dans le noir, t'as vu l'âge qu'ils ont. C'est ça qui... Et puis, ce qui n'est pas possible, c'est que c'est la friche totale, il y a des ronces partout. Vous pouvez aller voir. Oui, je vois ouais. D'ici, c'est... On aurait entendu, tu sais, le bruit des... Quand tu marches sur des ronces. En fait. Mais là, j'étais immobile et je vous assure, c'était quoi, à 2 mètres de moi, 2-3 mètres, pas plus. Putain. Mais non, mais. Hein ? Boîte à musique, pod. Boîte à musique, elle vient de sonner. Oh. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Viens. Je dis pas par provocation, je dis par invitation. Vous êtes peut-être plusieurs. Vous êtes peut-être une seule, peur, peut-être. Je pense pas à peur, mais... Je pense qu'ils sont nombreux. Toi aussi. Ouais, mais je vous avais pas remarqué une chose. C'est dès lors qu'on a été voir en dessous la chapelle en regardant à travers l'interstice. Ça a commencé là. Ça a commencé là, hein. Vraiment. Enfin, je veux dire, c'était plus franc que tout à l'heure. Ouais. Est-ce que ça vous dérange? C'est une question banale, hein. C'est pas un affront. On vous respecte. Est-ce que ça vous a dérangé qu'on ait été curieux et que tous les trois, à tour de rôle, on a regardé cette crypte qui se trouve en dessous la chapelle? Un papillon. Le petit pot de ma gauche, on sait maintenant qu'il fonctionne avec vous. Si vous êtes d'accord de nous dire des oui ou des non, s'il vous plaît, utilise-la.
Et il défonce. Hein. C'est la lumière. C'est à pleine balle. Hein. Bah tu me dis, Rogers, si ma lampe te dérange. Non, non, c'est bon. Ouais. C'est bizarre, ça s'est calmé tout à coup. Ouais. Comme les gros bruits au sol qu'on a entendus d'animaux et tout ça. Et là, d'un coup, c'est comme si c'était redescendu. Alors, je vais quand même vous montrer la boîte à musique. On l'a entendu, c'était très rapide. Oui. Comme des clans. C'est celui-là ? Ouais. Oui, oui. Ah, c'était ça qui a bipé ? Oui. Il y a ça aussi. Ok, attends. Et tout à l'heure, tu as posé la question. Est-ce que vous pouvez déclencher un appareil ? On va essayer, là. Ici, vous avez un appareil, ça s'appelle un K2. Vous avez ici, ça s'appelle un Theramine. Ici, vous avez une petite boîte à musique. Et dans ma main, je tiens un petit dictaphone. Tu me montres. Pouvez-vous peut-être nous dire qui vous êtes ? Si vous ne pouvez pas dire ça, dites-nous si c'est notre présence qui vous dérange. Une brûle. Très aigu, très haute en fréquence. De quel genre ? Ça t'a fait penser à quoi, je veux dire ? Comme si quelque chose allait sonner, mais le... Boîte à musique devant. Boîte à musique devant. On y retourne ? Il faut y aller. On sait jamais. Attends. Ils sont en train de jouer ? Encore. T'as mis un plan fixe là-bas ? Non. Non. Merde. Normalement, celui-là, il sonne très peu. Ouais, bah très c'est peu. Clair. Depuis le temps que je regarde vos enquêtes... Ça s'est jamais déclenché, non ? Sauf dans un temps. Des fois, mais... Une fois, mais c'est tout, je crois. Ouais, ouais, ouais. À la briqueterie, ça s'est pas déclenché aussi ? Si. Bah, c'est là, justement. Ouais. C'est pour ça, en général, quand celui-là déclenche, ouais. C'est que... On peut dire que c'est animé. Ah ouais. Il y a tout qui se déclenche, quasiment. Ouais. C'est fou. Alors par contre, ce qui est hallucinant, c'est que t'as entendu, parce que normalement t'es sourd. Parce que normalement t'es sourd, t'entends pas les fréquences comme ça. J'ai entendu quelque chose, c'était comme... Il faut que j'aille chercher mon camion. En tout cas, il n'y a plus de musique. La boum, là. Enfin la boum, la fête. Bien, on va retourner, on va continuer avec ça. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on vient ici, il arrête. Ouais. Laisser, je sais pas pourquoi j'ai dit la boum. Non, mais c'est parce que c'est notre époque. Ouais, non, mais tu dis pas ça de nos jours, tu vois. Non, mais c'est cool. Roger, t'as ta lumière dans les fesses, c'est ce que tu veux dire. C'est pas la boîte de musique que j'ai entendu. C'était une fréquence très haut. Mais tu les entends pas avec ton oreille normalement. J'entends pas les médiums, les chuchotements, les trucs. Et là, c'était un très très aigu.
Genre, très, très... Comme un pote qui sonne, quoi. Comme un pression, en fait. Comme un... Tu sais, quand ça déconne, mais ça passe très aigu, ce type de truc. Parce qu'il faut savoir que t'as un pote aussi dehors, là-bas. Devant. Ça se trouve, ça a fait sonner le pod, et après, la boîte est... Non, mais le papillon qui rentre dans ma gorge, je sais pas trop. Très bien. Ok. On est là dans cette petite chapelle. On sait que vous êtes là. On a demandé de nous montrer. Vous l'avez fait. Ça, c'est peut-être mon droit. Pod. Mais c'est une blague. Elle est là, elle est là. Attends, j'ai pas mal en. Non. J'ai saisi la clé. C'est boîte à musique. Yes. Pod. Boîte à musique. Pod. Oui. It's coming. C'est dingue. C'est un truc de fou. Attends, pardon. Vous êtes là. De toute façon, ça filme. On sait que vous êtes là. Alors. C'est peut-être notre lumière. Eh. Pardon. C'était quoi ça, Amandine? Ça vient de frapper, non? Oui. Non mais... Ok. Merci, hein. Est-ce que vous pouvez venir dedans avec nous, s'il vous plaît? J'arrive pas à capter qui c'est, par contre. Est-ce que vous pouvez venir dans cette chapelle? Entendu quoi? Un bruit grave. Ouais. Oui, une drôle de respiration, c'est comme si ça soufflait par le nez. Ouais. Toi aussi? Oui. Et toi, Rogers? Un bruit grave. Où ça? Oui, bah tu sais comme... Mais je te dis, je capte pas qui c'est. Ouais, écoutez. Putain, pardon, je te mets la lampe dans la tronche. C'est bizarre. Ouais, ouais. Je vais faire descendre la petite radio. Je comprends, c'est peut-être difficile pour vous. Je vous assure, c'est difficile pour moi aussi. La seule chose que je répète peut-être beaucoup et que vous en avez marre, je comprends. Ah, merde, désolé, monsieur. Confirmez qui vous êtes. Le pod. Ah non. Oui. Ça recommence? Oui. Eh, mais c'est quoi cette enquête? Sans déconner. Ça a recommencé le bruit de la respiration là? Je sais pas. Mais les appareils qui sonnent autant. Dans une enquête, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Un pod, surtout. Ils sont nombreux et j'arrive pas à capter. Ouais. Ce que c'est. Mais tu vois, c'est comme si, pour moi, on est venu ici. Tu vois, on est rentré dans cette sorte de petite chapelle de recueil. Oui. Et c'est comme si ce qu'il y avait dehors s'approchait vers nous. Oui, mais il peut pas rentrer. Ouais. Merci. Vous êtes là? Ok, merci. Non. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes seul? Fais-le sonner si vous êtes seul. Faites-le sonner si vous êtes plusieurs. Je vais mettre un autre appareil avec. Celui-ci va nous faire comprendre votre énergie. L'autre, c'est présence. Celui-ci, c'est de l'énergie. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre de côté, juste à côté. Essayez de la toucher pareil. Et les couleurs de la lumière vont changer. Ça commence en vert, ça passe en orange, et ça termine avec la couleur rouge. On peut utiliser pour parler si vous voulez.
Vous êtes encore là ? Activez le pod, s'il vous plaît, si vous êtes encore là. Ta musique. Et ça marche aussi. Non ? J'entends pas. La boîte à musique ? Ouais. Elle sonne ? J'ai cru entendre, ouais. Et là, ça marche ? Ou c'est le papillon qui fait ce bruit-là ? Est-ce que vous voulez qu'on aille quelque part ? Vous essayez de nous attirer dans un endroit ? Vous voulez qu'on parte ? C'est papillon. Ouais, c'est papillon. Merde. T'entends quoi, Rogers, là ? Tu entends un tap-tap, mais je crois que c'est le papillon. Mais en fait, tout à l'heure, c'est étrange. Je crois que c'est... Putain, des fois, tu sais, en fait, tu vois, c'est des personnes. Et là, ça faisait le bruit comme d'une bête qui galope, d'une bête qui respire. Ouais, ouais. C'est vraiment bizarre. Ouais. En tout cas, comme il est moins peur maintenant. Ça, c'est le papillon. There we go. You here? Je vais mettre ça de côté. Montrez-moi que ça marche. Vous pouvez utiliser celui-là aussi ou pas ? Si ça marche pas, je comprends. Peut-être vous parlez pas le français ? Mais je pense que le langage qu'on utilise n'a pas de valeur. I usually kept English words. If I speak in English, you understand? J'ai l'impression que c'est pas humain. J'ai cru entendre des bruits. Tu sais, des trucs comme ça. Ouais. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose d'humain non plus. C'est pas. T'es d'accord que ce n'a pas été humain, c'est autre chose. Moi, j'ai vraiment cette impression aussi. C'est pas pour faire genre. Mmh. Oui, non, on non, a non, tous non, la même impression, tu vois. Mmh. Non, on est d'accord. On n'est pas dans le folklore, mais il y a quelque chose qui joue. Et ça joue avec. C'est mais sûr. C'est pas... Devant, derrière. Je sens pas une bonne énergie. C'est comme je sais si... pas si je sens négatif. Non, mais de pas humain, mais je sais pas ce que c'est. Il y a tout qui est... Je crois qu'il a compris pourquoi on est là. Je sais pas. Il veut nous emmerder. Mm. Il veut s'amuser avec. Ouais. C'est ce que je sens. Je pense aussi. Taquin, quoi. Ouais. Je pense que tout à l'heure, il nous a vu... Enfin... Je sais pas ce que c'est, donc c'est difficile à décrire, mais... Puis on a... Ah, toutes les petites choses qu'il y en a eu. Moi, j'ai l'impression que quelque chose a touché le sac quand vous étiez parti. Ouais. Tout à l'heure, il y avait les bruits, les tapements que tu as entendus là. Là. Ça marche, là, encore. Il parle de tapement, et juste là. Ouais. Est-ce que, sincèrement, si vous nous entendez, que vous comprenez nos demandes, si quelqu'un... Il y a quelqu'un là. Hein? Putain, j'ai pas rêvé. T'as vu quelqu'un? J'ai vu un visage.
pardon de mettre un flash comme ça, mais... Où ? Là, là, juste là. Tu vois, il y a la croix. Ouais. On se donne le papier, on s'en va. Il y a la croix, il y a un panneau sur l'arbre, là-bas. Oui, il y a un panneau ouais. sans interdit. Enfin, ouais. sans interdit. Propriété. Oui, voilà. Ouais, enfin, ouais. Et juste à côté, en fait, derrière cet arbre, il y avait quelque chose. C'est pas, tu sais, un effet de... Enfin, ça aurait pu faire un effet bizarre dans mes yeux avec la lampe que j'ai mis comme ça. J'avoue, ce soir, je comprends pas trop ce qui se passe. Et pile au moment où on me dit ça, tu vois ce que je veux dire ? Oui. T'as l'impression que c'est pour nous embrumer, enfin, embrumer l'esprit constamment. Ouais. En fait, j'ai l'impression que ça cherche à nous enlever nos perceptions des bruits. Oui, parce que on essaye d'écouter à l'intérieur, t'as là, après t'as là, après t'as l'autre côté. Du coup, on retourne de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire ? Et vous imaginez, là, on entend les boum-boum de la musique au loin. Si on n'avait pas eu ça... T'as la musique, il a arrêté. Non, la musique, elle tourne toujours, là. Ouais. J'entends pas. Pour ça que je te dis que ton ouïe, des fois, je comprends pas. C'est violent, la musique. Ouais, pourtant, ça fait boum. Là, c'est vraiment boum, les basses, boum, quoi. Boum. Bon, en tout cas, moi, c'est paisible. Bah c'est pratique pour toi, du coup, il n'entend pas, lui. C'est vrai ? Je peux parler, moi, j'ai des problèmes d'oreille aussi, tu sais. C'est quoi votre nom ? Votre K2, il fait du bruit ou pas ? Non. Non, d'accord. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît ? Sans la clope, là, non ? Tu sens la cigarette? C'est quoi ce délire? La vieille clope ou les clopes d'aujourd'hui? Je sais pas, mais ça sent le tabac. Attends. En tout cas, il n'y a personne. Bah, c'est comme est-ce que le caméra devant filme toujours ? Je sais pas. C'est l'odeur de tabac, elle a comme traversé, tu vois. J'ai juste été sur le côté pour voir s'il y avait des lumières, tu sais, ou des gens. Allez voir si ça filme encore. Cette enquête, elle était à la fois dérangeante, intrigante et en même temps passionnante. Parce qu'avec tous ces bruits qu'on avait, je trouve que c'était complètement fou. On allait devant, derrière la chapelle. C'est comme si, enfin moi j'ai vraiment eu la sensation, c'est comme si on était dans une espèce de autre monde parallèle, le temps de cette nuit. Okay. À partir de maintenant, si la boîte à musique se déclenche, ça ne peut pas être naturel. Il faut qu'une bête, un animal, quelque chose puisse passer en face. Et on voit bien qu'il n'y a personne. On va éteindre les lumières. On va se plonger dans le noir. La boîte à musique là-bas devant. C'est vrai qu'on vient ici. C'est là-bas. Ça nous fait courir. On va dans la chapelle, ça nous fait ressortir de la chapelle. Et moi après j'aimerais bien réécouter ton... Ça marche là. Eh, ça vient de tous les côtés, là. Ce qui est assez ouf, c'est que c'est dehors. Ouais. Pas dedans. Alors... On nous laisse pas le temps d'être dedans. En même temps... On nous laisse pas le temps. En même temps, c'est normal que ça soit autour. Si c'est pas bon, ça rentrera jamais dans un lieu de culte.
la boîte à musique encore. C'est un truc de malade. C'est pas souvent que celui-là il sonne comme ça. Alors, le seul truc que je peux te dire, il faut que je... Ah, t'as peur que ça soit... Les chauves-souris. Ouais, mais dans le temple, quand on l'avait fait dans le temple avec tous les instruments... Je sais que c'est possible, je dis pas c'est pas ça. Je dois juste raisonner sur le moment. Après, comme je te dis, t'as une caméra. Tu verras. Elle est filmée. Donc. J'aimerais bien qu'on réécoute pour entendre le fameux... Encore. Et c'est reparti pour un tour. Come back this side. Come on. C'est quoi ça? Ah non, c'est... Une moto. Le son de la cloche de l'église. Mais c'est loin. Il doit y avoir un village à côté. La musique encore. Come back this side. J'ai l'impression que ça va nous faire aller là-bas. Reviens ce côté, s'il vous plaît. Reviens ce côté. On va re-rentrer. Moi, je pense. Et aussi. Voir si ça se redéclenche. Ouais. Ok. Parce que j'ai l'impression que ça peut nous... Vas-y, va là-bas. Papillon. Tiens. Regarde. Oh là là, ça n'arrête pas. On re-rentre, on va écouter. Elle sonne. On va peut-être moins les écouter. Ouais, elle sonne non-stop. Et ça peut pas être une bête. La chauve-souris, elle reste pas planquée comme ça à côté du boîtier. S'il passe, normalement, elle est au-dessus, mais ouais. Petit accent à 45 degrés. C'est-à-dire, c'est que s'il vole assez bas, oui. En stationnaire. Non, désolé, il faut qu'il juste il brise, il faut qu'il le détecte. Oui. Mais je veux dire, si c'est une chauve-souris, ça vole pas en stationnaire, une chauve-souris. Au-dessus de ton boîtier, je veux dire. Pour qu'il se déclenche aussi longtemps. Ça colle pas. Il faut qu'il tourne direct et revient. Tu verras bien. Rentre dedans. Ou... Mais t'as raison de raisonner. C'est une bonne manière d'enquêter. Hein. On peut pas tout prendre pour... Mais ça reste étonnant, quoi. C'est ce que je veux dire, c'est ça. C'est bizarre. Ça pose plus de questions que de réponses, en fait. C'est le truc, c'est que... Quand on commence à entrer là, ce sont là que tu vas dehors, et dès que tu dors, ça termine là. Je trouve ça bizarre. On l'a dit d'entrée dès le début de l'enquête. La boîte à musique ressonne devant là. Je l'ai entendu marcher. Hein? T'as entendu marcher? Hé! Hey. C'est quoi ces bruits? Vous entendez? J'ai entendu quelque chose, hein. Attends, on l'entendra forcément dans mon micro. Les gros boum. Boum, 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 comme s'il y avait des canons qui tiraient. Putain, oui, un peu. Là, ça le fait plus. Tout à l'heure. On a entendu. On pensait que ça courait déjà. Ouais. Et le pod. C'est le pod. Là maintenant? Oui. Ouais. C'est le pod qui m'appelle. Stay here. Attends, j'éteins. C'est qu'on voit rien, quoi. Avec ma lumière, je vois rien. Ouais.
cet insecte, je te jure. Mais t'es dit, mais t'es... En fait, c'est... Écoute, les herbes hautes. Et vous avez pas entendu? Des gros poumons. Ouais. Si. C'était violent. C'est je pensais que c'était la musique. Mais ouais, mais non. Et ça a duré... Jusqu'à ce qu'on arrivait 3, voilà. 4, 5. Mais moi, j'étais là, tout seul, et je me suis dit, je délire ou quoi? Là, c'est la musique. Oui. Mais tout à l'heure, c'était... Oui, on a entendu ça. Là. Non, mais... Hé. Là. On va pas y arriver ce soir. Ça. Là. Limite, tu pourrais croire... comme moi, là. Vous entendez comme moi. Limite, tu pourrais croire que c'est de l'orage, mais il n'y a pas d'orage. Non. Feu d'artifice. Ça pourrait être ça. Oh, attends. Eh non, j'ai l'impression. Ah c'est pas là. On dirait un batterie, un gros tome. Bordel. Et je vais me chier dessus là. Attendez, et laissez un silence pour voir. Qu'on perçoive bien les bruits. Y'a plus rien? Il est quelle heure? Je sais pas, bouge pas. Il est minuit 6. Eh, il est tôt quoi. Ce qui est fou, c'est qu'on est témoin. C'est pas une hallucination personnelle sur un seul de nous trois. On est trois à entendre ce... En même temps, les lointains est un peu flou comme ça. Ouais. Ouais, mais à chaque fois qu'on sort dehors, on entend des trucs chelous. Hein. Le pote nous appelle, le machin nous appelle. T'entends des trucs bizarres, ça court, ça machin. Et on va jamais réussir à être dans la chapelle. Hein. C'est quoi? Un qui reste ici, un l'autre côté là, et un qui va tout devant. On sépare. Ouais, bah c'est ça, t'as raison, moi je reste dans la chapelle. Hein. Bah vas-y. Ah, c'est ouais, pas dans la chapelle, c'est sur le côté, par exemple là quoi, mais l'autre côté. Vous êtes prêts? Moi je vais aller devant si tu veux. Mais qu'est-ce que je fais? Moi je vais où? Bah, tu vas là ou l'autre côté en fait. Tu restes là, mais de l'autre côté. En fait, et on si a une vision pas, là, okay. Une vision là, et une vue de devant. T'es prête? Ah non, je suis jamais prête, moi. Et moi, je reste là, alors Juste là, ouais, okay. Juste en bas, ici, en fait. Tu sais quoi, je vais me mettre à l'embranchure, ici. Ouais, ouais, voilà ça, on puisse communiquer. Ouais. Après. Le pod. Rogers. Ouais. Le pod, il sonne, hein. Ok. Come on, switch it on. Ouais, ouais. Hein. Non. C'est bien ce que je pensais quand même. Hein. Thank you. C'est dingue. Amandine, oui. Ça va? Oui, ça va. Ok. On
Ouais. Le pod, il sonne, hein. Oui, oui. Maintenant, on a couvert le bâtiment et c'est un peu perdu. Ouais. Come on. Montrez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Le pod sonne. C'est de la folie. Vous êtes en colère? Je reste persuadée. C'est pas un chauve-souris, ça a déclenché. Je lui ai demandé de montrer, ça a déclenché. Oui, je reste persuadée qu'il faut qu'on teste la chapelle, parce qu'à chaque fois, il faut qu'on sorte de la chapelle. Et le pote sonne. Quoi? Oui, il fait que de sonner. Il fait... Ouais. Qui êtes-vous? Allez, boîte à musique. C'est dingue. Dites-moi. C'est un truc de fou, cette enquête. Sérieusement. On tourne en rond, ça fait une heure et demie. Non mais oui, ouais. Oui, au moins on est en train de... On tourne en fait. Ça nous appelle de tous les bouts. Ouais. En même temps, si on suit l'histoire, entre 3000 et 4000 morts. C'est pour ça, c'était tout le monde en fait. Ouais. À sa manière peut-être essayer de communiquer, mais je suis... Avez-vous battu dans cette guerre? Mais c'était bruit d'animaux en fait au début. C'est ça qui était bizarre. C'est ça. Et... La dernière fois que Cédric il est venu ici, c'était il y a 3 ans. Alors peut-être qu'ils sont heureux de voir des nouveaux enquêteurs. Et qu'ils s'amusent. Ouais. Ça peut être probable aussi. Hein. Ouais. Est-ce qu'elle n'est pas à voir avec cette guerre? Est-ce que c'est autre chose? T'as entendu? Il y a un chien qui jappe. C'est pas ton chien. Non, parce que là, ça vient de par là. Vous l'entendez là? Ouais. C'est un chien? Non, à côté de l'église, il y a quelque chose qui parle. Hein? De ton côté? Est-ce que vous êtes autre? C'est quoi ce qu'on entend là? Si votre réponse est oui, allumez l'appareil. T'as pas entendu comme une sonnerie? Au loin? Une cloche? Tout à l'heure, oui. En même temps que le chien. Le porte vient bouger. Juste après. Hein? Le porte-vent, elle vient de bouger. Quelque chose vient d'appuyer de l'intérieur. Oh putain, arrête. Je vous jure, ça fait clac-clac. Quelque chose a bougé, essaie de pousser la porte de l'intérieur pour l'ouvrir. Attends, de l'intérieur? De l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Ta caméra, elle filme ça ou pas? Non. Elle est peut-être dans le champ. T'es braqué, ouais. Ok, j'ai vu. J'essaie de comprendre, s'il vous plaît. Soyez clair. Je sais que vous nous amenez à gauche et à droite. Dites-moi, vous n'étiez pas dans la guerre. Qui êtes-vous? Il se rapproche le chien, non? Vas-y, tout à l'heure, il était là-bas. Ouais. C'est peut-être un autre chien. Qui êtes-vous? Bougez cette porte nouveau. Montre-moi un oui, montre-moi un non. Vous parlez là, j'ai pensé que c'était vous. Et j'ai entendu quelque chose comme là, comme si ça essayait de parler. Quand j'ai pas mis la lumière directe dessus, il était comme ça. Ouais. Et j'ai entendu la porte pousser comme ça.
Et ça m'a pris une seconde, je me suis dit, c'était quoi? Et en fait, j'ai vu le porte-lavette. Elle est revenue sur lui-même. Nous sommes pris tous les trois d'un sentiment d'incompréhension qui grandit minute par minute, tellement il se passe des choses étranges. Il y a tout d'abord ces nombreux déclenchements du pod et de la boîte à musique se situant derrière la chapelle et à l'avant de cette dernière. Here we go. You hear? Je vais mettre ça de côté. Montrez-moi que ça marche. Le pod. Oh non. Oui. Ça recommence. Oui. Eh, hey, mais c'est quoi cette enquête? Sans déconner. Ça a recommencé le bruit de la respiration là. Eh hey. Vous avez pas entendu? Vous avez pas entendu? La boîte à musique devant. La boîte à musique devant. La boîte à musique devant. Il y a quelqu'un quoi. Nous avons le sentiment que quelque chose joue avec nous et nous fait courir dans tous les sens. On décide alors de se positionner derrière face à la croix pour débriefer à chaud cette situation. Rogers décide de faire une séance PVE via son enregistreur à cassette à l'intérieur et à l'arrière de la chapelle. Mais comme à chaque fois que l'on y met les pieds, quelque chose déclenche nos appareils. Cependant, ma caméra enregistre un PVE très particulier sortant de son appareil. Je comprends, c'est peut-être difficile pour vous. Je vous assure, c'est difficile pour moi aussi. La seule chose que je répète peut-être pour vous et que vous en avez marre, je comprends. S'ensuit un énième questionnement sur la nature exacte de ces événements. C'est alors que j'aperçois quelqu'un non loin de la croix pendant quelques instants. Chose. Moi j'ai vraiment cette impression aussi. C'est pas pour faire genre. Oui, non, on non, a non, tous non, la même impression, tu vois. Non, non, on est d'accord. On n'est pas dans le folklore, mais il y a quelque chose qui joue. Ça joue, c'est sûr. Mais c'est pas. Devant, derrière. Je sens pas une bonne énergie. C'est comme je sais pas si je sens négatif. Non, mais de pas humain, mais je sais pas ce que c'est. Il y a tout qui est. Je crois qu'il a compris pourquoi on est là. Il veut nous emmerder. Il veut s'amuser avec. Ouais. C'est ce que je sens. Je pense aussi. Taquin, quoi. Ouais. Je pense que tout à l'heure, il nous a vu. Enfin, je sais pas ce que c'est, donc c'est difficile à décrire, mais. Puis on a. Ah, toutes les petites choses oui. qu'on a eues. Moi, j'ai l'impression que quelque chose a touché le sac quand vous étiez parti. Ouais. Tout à l'heure, il y avait les bruits, les tapements que tu as entendus là. Là. Ça marche, là encore. Il parle de tapement, il est juste là. Ouais. Est-ce que, sincèrement, si vous nous entendez, que vous comprenez nos demandes, si quelqu'un... Il y a quelqu'un, là. Hein? Putain, j'ai pas rêvé. T'as vu quelqu'un? J'ai vu un visage. Pardon de mettre un flash comme ça, mais... Où? Là, là, juste là. Tu vois, il y a la croix. Ouais. Il y a la croix, il y a un panneau sur l'arbre là-bas. Oui, il y a un panneau ouais. sans interdit. Enfin, ouais. sans interdit. Propriété. Là, oui, là. Voilà. Ouais, enfin, ouais. Et juste à côté, en fait, derrière cet arbre, il y avait quelque chose. Suite à cette anomalie que je suis le seul à voir, nous décidons de nous séparer un court instant pour analyser et quadriller la zone, seul, face à la chapelle. Le REM pod ainsi que la boîte à musique se déclenchent une fois de plus. Je décide de rejoindre Amandine pour débriefer de nouveau. Mais dans la zone où se situe Rogers, un événement curieux va alors se produire. C'est donc la double porte protégeant la chapelle qui va bouger, mais de l'intérieur, émettant un bruit particulier que seul Rogers voit de ses yeux. C'est quoi ce que j'entends? Si vous répondez oui, allumez l'appareil. T'as pas entendu comme une sonnerie? Au loin? Une cloche? Tout à l'heure. En même temps que le chien. Le porte vient bouger. Juste après. Hein? Le porte-vent, elle vient de bouger. Quelque chose vient d'appuyer de l'intérieur. Oh, putain. Arrête. Je vous jure, ça fait clac-clac. Quelque Arrête. Chose a bougé. Essaie de pousser la porte à l'intérieur pour l'ouvrir. Attends, de l'intérieur?
de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Ta caméra, elle filme ça ou pas? Non. Elle est peut-être dans le champ. T'es braqué, ouais. Ok, j'ai vu. J'essaie de comprendre, s'il vous plaît. Soyez clair. Je sais que vous nous amenez à gauche et à droite. Vous parlez là, j'ai pensé que c'était vous. Et j'ai entendu quelque chose comme là, comme si ça essayait de parler. Quand j'ai pas mis la lumière directe dessus, il était comme ça. Ouais. Et j'ai entendu la porte pousser comme ça. Et ça m'a pris une seconde, je me suis dit, c'était quoi? Et en fait, j'ai vu la porte à la fête. Il est revenu sur lui-même. Avant de finaliser notre expérience, nous entendons tous des voix provenant de l'avant, face à la chapelle. Je décide d'y aller et c'est à ce moment précis que des détonations se mêlent au calme qui nous entoure. Hey! C'est quoi ces bruits? Vous entendez? J'ai entendu quelque chose, hein. Attends, on l'entendra forcément dans mon micro. Les gros boum. Boum, 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 comme s'il y avait des canons qui tiraient. Putain, oui, un peu. Ça. Là. Limite, tu pourrais entendre comme moi, là. Vous entendez comme moi. Limite, tu pourrais croire que c'est de l'orage, mais il n'y a pas d'orage. Non. Feu d'artifice. Ça pourrait être ça. Oh, attends. Eh non, j'ai l'impression. C'est pas là. On dirait un batterie, un gros tome. Bordel. Bougez plus. Et je vais me chier dessus, là. Putain de merde. C'est... Qu'est-ce que c'est que ça, mec? C'est quoi ça? Attends. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu n'as pas demandé, là? Eh, moi, non, mais... Eh, mais... J'ai jamais entendu ça. Ça vient pas du ciel. Ça tourne, ça tourne. Ça tourne, c'est même pas localisé en fait. Pour moi, non, ça vient de là. Ouais, là. Par là. Des fois c'est là, là-bas. Oui, tout à l'heure c'était là, mais là ça vient de là. Ouais. J'ai plus de batterie sur ma lampe. Merde. J'en ai une grosse au pire, mais... Ça vient de la gauche, hein. Le bruit est là. On va essayer de rester calme et... Ok, je pense qu'on va essayer un petit peu le truc à radio avec les écouteurs. On va faire un petit peu, deux, trois petits trucs. Mais attends, Rogers, c'est quoi? Ça continue. On dirait un battement d'aile, c'est ouf. Comme s'il y avait un dragon au-dessus, quoi. J'ai eu la même image. Mais oui. Mais c'était violent, le premier qu'on a entendu. C'était hyper violent. Non mais attends, et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et oui. Mais ça fait le tour, parce que j'entendais... Oui, tout à l'heure. Et c'est quoi qu'on a enregistré, sans déconner? Marrant, vous regardez dans le ciel, mais moi je... Mais là, c'est pas explicable. C'était pas au même endroit. Un coup, c'était au-dessus de nos têtes. Un coup, c'était devant nous, mais hyper loin là-bas. Et là, et moi j'y comprends rien du tout là. Mais c'était... Et je suis perdue, hein. J'ai l'impression qu'on perd la tête. Oui, non, c'est comme si t'es rentré dans une zone. Je commence à sentir comme si on doit partir. Tu sens que l'ambiance allait... Comment ça commence à l'irriter. On commence à l'irriter. J'ai l'impression qu'il y a un voile qui s'ouvre, tu vois, et que ce voile s'intensifie. Alors, et que les choses...
plein. T'as envie de la pousser ou pas? Bah, c'est ça. Moi, j'ai l'impression d'être entré sur une terre et je comprends plus rien. Bah, après, moi, tu vois, ça me fait pas peur. Ça fait pas peur, mais... Mais tu... C'est quelque chose qui... C'est comme un chat, il fait comme ça, ouais. Genre, dégage. Comme ouais. Ce type de... Ouais. I don't know. It's... En fait, c'est comme si on était dans un autre... Tu vois, là où on est, dans un autre temps. Comme si... Ouais. T'as franchi, mais on sait pas où est-ce qu'on est. C'est comme si t'es dans une sorte de monde parallèle, mais que tu es pas, en fait. C'est comme si tu naviguais entre les deux. C'est trop étrange à dire, mais... J'ai l'impression qu'on est revenu au temps de Jean Chouan, tu vois. Oui, qu'on est les seuls humains vivants. Oui, je vois ce que dimension. Tu veux dire. Je me sens déconnectée, en fait. C'est bizarre. En fait, t'es dans la réalité, mais t'as l'impression qu'il y a... C'est un avion. T'as l'impression qu'il y a... Je sais pas comment expliquer ça. T'es ailleurs, t'es là, mais t'es pas là. T'es ici, mais t'es pas là. C'est comme si t'avais franchi un truc. Ouais. Ça te fait pas ça, Rogers? Attends, je sais pas. Moi, je suis tellement confus. Oui, mais regarde, ça correspond à ce qu'on dit. T'es paumé. Tu es là, t'es paumé. Non pas par les bruits, mais parce que comme si on avait franchi un truc et... On est là, mais... Dès que tu penses à un truc, il t'amène là-bas. Et tu dis non. Alors, moi, je veux bien sans chauve-souris. Je veux bien. Oui. Mais j'ai vu, ça n'était pas. Ça sonnait. Il n'y en avait pas. Ça sonnait deux fois. J'étais là, j'ai vu, pas de chauve-souris. Donc je veux bien éliminer, mais je sais que c'est pas ça. Et je sais le pod. Est-ce que... Il n'y avait rien dessus. J'ai donc analysé la situation avec le recul nécessaire, loin de cette soirée et du conditionnement dans lequel nous étions ce soir-là. La seule chose qui pourrait ressembler à ces sons de détonation, c'est un feu d'artifice ou une fête, quelque part dans les villages environnants. Sur ce plan, vu du ciel, vous pouvez remarquer qu'il y a trois villages qui entourent la forêt et la chapelle où nous nous situons. J'ai l'intime conviction que ces sons peuvent provenir de l'un de ces trois villages. Il ne faut pas oublier que nous étions en été. Les fêtes communales battent à plein régime en général et surtout le week-end. Nous avons enquêté sur place un samedi soir, il n'est donc pas impossible que cette analyse explique le pourquoi nous avons entendu ces sons particuliers. Mais il est aussi probable que ce soit tout autre chose et que ces sons ne présentent aucune cause rationnelle. Pour conclure sur ces événements, j'ai l'impression que nous sommes tous les trois témoins de plusieurs événements inexpliqués. J'ai le sentiment d'être au cœur d'un vortex énergétique puissant et que ces sons, ces événements, nous font perdre le contrôle sur la nature exacte des événements survenus sur place. Nous allons donc tenter une dernière expérience qui cette fois-ci va être sensorielle. Là, Rogers, est-ce que tu peux m'expliquer, enfin expliquer aux gens qui nous regardent, surtout, ce que tu vas faire? Ouais. Parce qu'il y a des gens qui connaissent pas cette technique. Ça serait l'occasion de leur expliquer. Alors, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ouais. Je crois que c'est Estes. Ok. Je crois que c'est ça. En gros, c'est simple. Depuis tout à l'heure, on est tellement confus. Il y a tellement de choses qui se passent. On ne sait plus où mettre la tête. Alors, on va essayer de voir, parce qu'à chaque fois, on essaie de parler. Là-dedans, quelque chose nous appelle dehors. Donc là, c'est très simple. On va essayer de faire tourner un petit radio qui scanne les fréquences sans être fixé sans fréquence, branché à des écouteurs où Amandine va écouter avec les yeux bandés. Donc elle sera un petit peu coupée des autres sens. Il y avait un bruit là juste dehors.
Une voix. Oui. Une voix de femme. Oui. Et du coup, ce qu'on va essayer de voir, c'est simplement poser des questions et voir si tu avec ça, on peut entendre la réponse, en fait. Ok. Ouais. Il y a quelqu'un. Attends, wait. C'est quoi ce qu'on a entendu, Rogers, là? Ah, j'entendais la voix, ouais. C'était violent? Ouais, j'entendais la voix. Qui êtes-vous? C'est peut-être les écouteurs. Je pense. Ah oui. On entend super bien. Ouais, c'est ça. C'est possible parce qu'elle était en train de les mettre. Oui. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Essayez d'utiliser cet appareil pour faire sortir des mots. Ou Amandine peut vous entendre. Elle va répéter ce que vous avez à dire. Il y a plein de voix différentes. Essayez d'être au plus clair, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Jean. J'entends plein de brides de voix différentes, mais j'arrive pas à les capter. Au début, oui, mais okay. Je capte pas. Ils une parlent. Par une, s'il vous plaît. Une par une. Vous êtes beaucoup décédés ici. Prenez chacun leur tour. Une par une. Le premier. Quelqu'un t'a répondu, je sais pas ce que c'est. Quel est votre nom? Est-ce que c'est vous qui essayez de parler? La deuxième personne, s'il vous plaît. Oh, 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 oh. Hey, oh, je te jure, j'ai eu l'impression qu'on vient de me prendre le bras, là. Je te filmais, je te cadrais, donc. Non, mais c'est je te jure, en fait, j'ai... Non, là, mais... ça m'a... Genre, on m'a... Je te cadrais, donc si on voit quelque chose, ça prouverait que c'est vrai, tu vois. Je veux dire que... Ça s'est vraiment passé. Non, mais je te jure, c'est... J'ai... Voilà, je m'y attendais. Tu m'entends quand je parle? Non, mais je sais que quand tu parles, il y a des gens qui te répondent, mais j'ai l'impression qu'il y a des voix de femmes, il y a des voix d'hommes, une voix plus grave. Il y a tellement de voix que j'arrive pas à comprendre. Les calmer et au... pour une par une. Là, on m'a pris là. Ça c'est numéro 2. Alors soit c'est numéro 1 qui voulait pas partir, il fallait que tu l'entends, ou c'est numéro 2 qui voulait te faire savoir que c'est lui. Alors, tout à l'heure quand t'as mis le casque, ouais, on a entendu comme une voix qui venait dehors. Mais c'était tellement fort qu'on pensait qu'il y avait des gens qui arrivaient. Ouais. Donc je suis sorti. Sérieux? Ouais. T'entendais pas parce que t'avais déjà pris le casque. Je suis sorti avec Rogers vite fait, juste là sur le palier, enfin, le devant de la chapelle. Ouais. On pensait que c'était quelqu'un. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui arrive et on l'a entendu là-bas. On s'est regardé. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être l'écouteur, parce qu'il était fort. Bah, je sais pas. Tu veux continuer? Oui, bah oui, okay, mais okay, je m'y attendais pas, t'as les yeux bandés, tu te dis. Ok. Ok, s'il vous plaît. Soyez courtois, pas de violence, pas d'agression. Une femme t'a répondu. Un homme? Doucement, doucement. Ils sont une... Numéro 2. Non, est-ce que... Numéro 2, la personne qui est à côté.
Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez dire? Ok. Le numéro... Ça va trop vite? Le numéro 3, s'il vous plaît. Parlez pas tous en même temps, c'est trop compliqué à comprendre. S'il vous plaît, soyez clair. Tranquille. Est-ce que quelqu'un peut nous dire... Écoute. Nous dire ce qu'on a entendu tout à l'heure. Est-ce que c'était... Est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était quelque chose en rapport avec le lieu? Les battements, là, d'elle qu'on a entendu, c'était très fort. Est-ce que c'était... Quelque chose en rapport, donc, avec le lieu. Toutes les voix ensemble se sont calmées, mais je comprends pas ce qu'elles disent, le si peu... Je comprends pas tout ce qu'elles disent. Ok. J'ai besoin que vous parliez avec des oui et des non, s'il vous plaît. On va essayer de faire ça au plus simple, pour que ça soit le plus clair. Vous avez envie de communiquer avec nous? Oui ou non? Est-ce qu'ici on vous dérange? Ok, je suis pas toute seule. Ok, tu fais parce que là j'ai eu l'impression. Non, ok, il y a d'autres sensations qui arrivent. Vu que je les comprends pas, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire quelque chose avec mon corps et je suis pas d'accord avec ça. Est-ce qu'ils veulent être entendus? Ils arrivent pas. Oui, ils arrivent pas et je sens qu'ils veulent me. Et moi je veux pas que ça passe par mon corps. Donc, avant que tu veux essayer, Julien? Ouais, je veux bien, ouais. Ok, on va essayer avec Julien. Donc j'ai besoin que quelqu'un vienne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire? Il va répéter ce qu'il entend. Démonter. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est décédé pendant cette guerre qui s'est passée ici? Est-ce que vous êtes enterré ici? Est-ce que votre histoire est autre? Ok, on va laisser la place à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Mais j'ai besoin que vous restiez calme. On ne peut pas écouter tout le monde. C'est pas clair. Quelque chose vient de passer. J'entends pas ce que ça dit. J'ai essayé de les comprendre parce que je voyais qu'il y avait tellement de voix. Je voulais les comprendre. Et en fait, j'ai... Je sais pas, en fait j'ai l'impression qu'on m'a touché le coude et après mon corps a... Enfin bref, et du coup je me suis dit bah en fait stop parce que dès que ça passe par mon corps je peux pas. C'est... On va commencer simple. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Il y a de tout. C'est lui qui vient discuter maintenant. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Plus long le scan pour voir. Ouais, ouais, ouais. Ce que tu fais, c'est pour voir si ça change. Donc tu m'entends pas en fait. Ouais, je t'entends pas. Okay. Ouais.
t'entends pas. Tu vois, c'est moins flagrant depuis que c'est moi. Ouais. Non ? Oui, oui, oui. On entend ce côté-là, c'est pas autant de voix. Ouais. En même temps, c'est triste. Enfin, je sentais, c'est comme si tu. Ils voulaient tous te parler et t'étais putain, mais je peux pas, je comprends pas. Pardon pour le gros mot. Indécis. Indécis de qui c'est qui vient de parler ? Indécis ou on est seul, j'ai un doute. Je pense que c'est plus on est seul. Vous êtes combien ? Il va y en avoir longtemps. Ok. De toute façon, je suis plus étonnée. Vous êtes combien, s'il vous plaît ? Vous êtes combien avec nous ? Est-ce que notre présence vous agace ? Toi aussi, t'as été touché ? En fait, on m'a fait bouger comme ça. Putain, j'ai eu un doute tout à l'heure aussi. Ça, c'est la radio dernier, mais... En fait, vous m'avez pas vu ? On l'a pas vu, mais j'ai pas vu bouger, non. Tu t'es tourné, t'as bougé. On t'a vu tourner, comme si il y avait quelque chose. On a vu que t'étais dans le truc. Et après, c'était de l'autre côté. En fait, j'ai l'impression que c'était là, ça s'est repassé derrière moi. Et que ça a fait bouger de ce côté-là pour me dire, hé, on est autour, tu vois. Tu vois, ça fait comme t'as l'air. Je vais demander, est-ce que tu touches un côté pour un oui et un autre pour un non ? Non, t'es sérieux ? Non, non, je pense que c'est ça. Il y a un petit bruit, là. Un truc comme ça ? Oui. Ouais, ça vient de là. Parce que vu qu'ils ont l'air d'avoir du mal, ils ont l'air de vouloir toucher pour écouter, je suis là. Je pense à changer un tout petit peu de tout à l'heure. Je pense qu'ils sont beaucoup qui essayent de se faire comprendre, mais en fait c'est difficile pour tout le monde. Et tout le monde vit en même temps. Ouais, et du coup, ce qui se passe, c'est que tu as une énergie qui se crée. Et ça arrive à faire bouger. Qui fait bouger. Donc on va essayer de voir si on peut communiquer avec un oui ou un non, si toi tu fais. Donc ce qu'on peut essayer, c'est que si tu as l'impression d'être touché. Ouais. Moi, je vais te demander un côté pour un oui, un côté pour un non. Et si tu as l'impression de toucher, tu lèves la main. Si tu as l'impression d'une réponse ou quelque chose. Tu vois ? Okay. Comme ça, on va essayer d'utiliser toi comme un... Dès qu'on te touche. Dès qu'on te touche, ou tu as l'impression de... Tu lèves le côté que tu crois que c'est. Mais tu ne sauras pas lequel est le oui, ni le non. Donc du coup, par contre, il faut que je pose la box ici. Oui. Ou sur toi. Ou alors, je la tire comme ça. Comme tu... Ok. On va essayer quelque chose pour vous. J'ai l'impression que vous arrivez à interagir avec nous physiquement. Julien, il va essayer de comprendre les oui et les non. S'il vous plaît, je veux que la main gauche, c'est un oui. Alors ce que je vais demander, c'est que j'ai besoin que vous touchiez son bras gauche ou son côté gauche pour afficher un oui. Est-ce que vous pouvez faire ça maintenant, s'il vous plaît, pour voir si ça fonctionne ? Si c'est un non, vous allez utiliser la main droite. Partez ! Est-ce que vous voulez qu'on parte ? La boîte à musique devant. La boîte à musique devant se déclenche. Est-ce que vous voulez qu'on parte ? Touchez ça côté gauche. On sait que vous êtes capable de toucher. J'en suis sûre que je vous ai senti tout à l'heure. La boîte à musique encore.
Ok, ok. Est-ce que vous pouvez confirmer, s'il vous plaît? Touchez ça côté gauche, si vous voulez qu'on parte. C'est bizarre parce que son... Le mage blanc. Est-ce que vous voulez qu'on reste? Si c'est oui, touchez à sa côté gauche. Si c'est non, et vous voulez qu'on parte, touchez à sa côté droite. Il a réagi à droite. Putain! C'est quoi? Je sais pas, t'as réagi, et en fait il y a eu un truc qui a clignoté là. Blanc. Et toi t'as réagi. J'ai demandé si vous voulez qu'on parte. Le côté gauche c'était oui. T'as regardé vers la gauche. Oui. J'ai ensuite demandé si vous voulez qu'on reste. Si vous voulez qu'on reste, touchez le côté gauche pour oui. Si vous voulez qu'on parte, touchez la droite. Et t'as regardé à droite. Et non mais... J'ai une réaction de ouf, mais en oui, fait... Oui, dans la chair de poule. Ouais. C'est... Et en fait, c'est j'ai senti, bien. Tu vois, quand je me suis tourné comme ça, j'ai senti sincèrement qu'il y avait une énergie qui était rentrée. Oui. Qui venait de l'extérieur. Et juste avant que tu réagisses, il y a une lumière blanche qui a apparu là, qui a sonné. Je sais pas ce que c'est. Alors, c'est la boîte à musique. Eh ben, elle a réagi juste avant que tu réagisses. Et tu l'as pas entendu sonner si. J'entends juste une... Par contre, il y a eu la boîte à musique devant qui faisait que de sonner. Ok. Alors là, ça devient physique, on n'est vraiment pas les bienvenus, je crois. Mais en fait, avant que j'enlève tout ça, tu vois, donc le masque, le casque, je me suis tournée comme ça, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a crié? Elle a crié un moment quand t'as tourné à droite. Juste quand t'as tourné. T'es déjà tourné. Okay. Et qu'il y a une lumière blanche. Et en fait, à un moment, t'as réagi comme ça, elle a hurlé en même temps. Et bah, j'ai pas hurlé, j'ai fait... Enfin, ouais. Et c'est là qu'elle a... Ok, parce que du coup j'ai pas pu t'entendre, parce que ça c'est à fond et t'entends pas, tu vois. Mais juste avant que j'enlève tout ça, j'ai entendu comme s'il y avait une femme qui gueulait, tu vois. Le mage blanc. Et si vous voulez, on reste. Si c'est oui. Putain! C'est quoi? Je sais pas, t'as réagi, et en fait il y a eu un truc qui a clignoté là. Ok, j'ai compris ce que vous avez à dire. Ma dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite dire quelque chose ou qu'on comprenne quelque chose avant de partir? S'il y a quelqu'un qui souhaite nous faire comprendre quelque chose, donc qui a peut-être un message, s'il vous plaît, touchez sa côté gauche pour dire oui. Si personne, et vous voulez qu'on parte sans message, sa côté droite, s'il vous plaît. Avez-vous... Avez-vous un message... Non, il a réagi côté... Attends, il a réagi côté gauche. Ok. Ok, et c'est quoi ta question? Côté gauche, t'avais quelque chose à transmettre, à dire? Quel est votre message, s'il vous plaît? Léon. Y a pas un Léon sur la... Une croix. Ouah. Ça va? Oh merde, attends, j'ai tourné la caméra à ce moment-là. Est-ce que votre prénom se figure
sur ce papier qui est à ma gauche. On vient d'une autre planète. Hein? Quelle planète? Une autre planète, est-ce que c'est... On a bien compris? Côté gauche pour oui, côté droite pour non. On a compris, vous venez d'une autre planète. Côté gauche pour oui, côté droite pour non. Devant vous. Vous êtes devant moi? À la porte, devant moi? Ça côté gauche pour oui. Foutre de l'eau. Le travail, mais ça je pense c'était la radio. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie qu'on reste? Gauche pour oui, droite pour non. C'est juste pour savoir si vous avez ce message, c'est tout. Après, on va sans doute partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on reste? Côté gauche pour oui, côté droite pour non. Il se retourne à droite, regarde. Ça fait, on te touchez ça côté droite, s'il vous plaît, si c'est bien ça. Il se manifeste à droite. Vous voulez qu'on parte, c'est ça? Vous voulez qu'on parte tout de suite? On veut pas. Vous voulez pas parler, c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Vous ne voulez pas qu'on parle avec nous? Et vous voulez qu'on parte. Gauche pour oui, droite pour non. Gauche, on ne parle pas et on parte. Eh, ça bouge partout là. Ok. C'est, je ne sais pas si tu es à gauche, droite, c'est tout le banc qui bougeait en même temps. Ok. Juste soyez clair, s'il vous plaît. Vous voulez pas qu'on parte. Et vous voulez parler, toucher sa droite. Vous voulez qu'on parte et qu'on ne parle pas, touche sa gauche. C'est compliqué pour nous. Et on n'a pas envie que ça se passe mal. Sauf que là, on commence à avoir un tout petit peu des réponses. Vous voulez nous donner des réponses? Oui, à gauche. Ça a dit in spiritus. C'est comme le latin dans une livre. C'est du latin. Touchez la droite si vous voulez qu'on termine tout. J'ai entendu comme des tambours, tu sais, comme à l'époque de Jean Chouan. Oui. Les guerres de sécession, tout ça, les tambours, là. Vous voulez qu'on continue, touche à gauche? Vous voulez qu'on arrête? Touche à droite. Continue, touche sa gauche. Vous voulez qu'on arrête, touche sa droite. On n'est pas en paix. Pourquoi vous n'êtes pas en paix? Vous avez besoin d'aide? Côté gauche pour oui, côté droite pour non. Une voix mourir, je crois, je suis pas sûr. J'ai cru entendre la boîte à musique.
Votre corps se trouve ici. Vous êtes un des personnes qui est mort pendant cette guerre ici. Touche à côté gauche pour oui. Touche à côté droite pour non. Non? Non. Vous êtes une de ces personnes affichées sur cette table ici à ma droite. Ça va pas ou quoi? Ça me fait peur lui. Il y a des noms ici. Les papiers sont à ma droite. Est-ce que vous êtes une de ces personnes? Gauche pour oui, droite pour non. C'est la droite? Est-ce que c'est vous qui a fait sonner tous ces appareils depuis le début de soirée? Côté gauche pour oui. Côté droite pour non. La boîte à musique encore. J'ai ma main qui est en train de me lâcher. Je te préviens, elle se fige et elle trempe. Si on peut échanger, je peux pas. Tiens pas là-haut. Oui, mais est-ce qu'on peut échanger? Ok, quelqu'un a été très clair que vous voulez qu'on arrête. Est-ce que vous avez un dernier message? Côté gauche pour oui, côté droite pour non. Je chantais du chaud froid, tu vois, je... Oui. Il y avait des variations de température. Tu répondais à toutes les questions. Oui, hein. Arrête. Par quasiment tous. Hein. Ouais. C'est dingue. Alors, c'est parti. C'était clair qu'en gros il faut qu'on arrête. Ouais. C'était clair. Ouais. Mais ça, j'ai demandé, commencer par est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un dernier message? Un dernier quelque chose? Ouais. C'est là que t'as dit tu oui. Tu m'as fait flipper quand t'as dit on vient d'une autre planète. Hein. Ah ouais? Mais franchement, ça l'a dit, mais tellement clair. C'était putain. Hyper clair. Alors quand j'ai posé des questions là-dessus, il n'y avait pas vraiment de réponse. C'est... Par contre, quand t'as dit on n'est pas en paix, t'as dit in spiritus, et en fait, bah, y a du latin écrit là. Et puis ça, c'est des mots qui sont directs avec bah, tout ce qui est gâteau, tout oui. Ça. Hein. Ah oui, 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 c'est sûr. Là où on se trouve. C'est christianisme tout de suite, quoi. C'est des... Tu vois, les spiritus, sanctus, des choses comme ça, c'est... J'ai quand même demandé si vous voulez qu'on arrête plusieurs fois, ouais. Pour valider. En fait, ce que je voulais tester, c'était le gauche-droite. Ouais. Ouais. De, je crois, de, si mon compte est bon, c'est trois fois. À chaque fois, tu répondais par ton corps. Tu répondais... Ouais. Mais en plus, c'était instinctif, tu vois. Enfin, je t'entendais pas parler. Je vous entends même pas, en fait. Ouais. Non. La boîte à musique, elle a fait que de sonner, aussi. Ah ouais. Ouais. Et là, je viens de la entendre. Ça a dit « partez » à un moment. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé si on veut qu'on quand parte. Dit mage blanc, se dit, Oui, le mage blanc. Ouais. Ou le mage blanc tout court, mais c'était... Et t'as dit un nom Léon. 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 Et je suis quasiment sûr qu'il y en a un dans la liste. Alors, quoi dire sur cette soirée? On a déjà fait dehors. On a déjà eu des résultats étranges. Et ce soir, c'était... dire sur une autre planète, et littéralement, parce que entre l'impression que quelque chose voulait jouer avec nous, nous faisant devant derrière des bruits, alors pas du tout à l'intérieur du chapelle, ça c'était étrange, il y avait quelques petits trucs mais rien de vraiment extravagant, c'était dehors. En arrivant, on entend comme des coup de canon, donc il y avait un truc de musique à côté, c'est possible, c'est, ça avait l'air d'être pas dans la même direction, est-ce que, je sais pas, à un moment on entendait comme des boum boum boum, pareil, à une autre direction, ça, c'est comme si ça enveloppait, bizarre, et quand on est allé devant, parce qu'on avait posé une petite boîte de musique à le devant de ce bâtiment, qui sonnait non-stop, j'ai vu de mes yeux que c'était pas un chauve-souris ou un insecte, alors peut-être pas à 100%, mais les fois que ça sonnait, j'ai vu que c'était pas ça.
On s'est tous réunis devant. Vers la fin de l'enquête, on a essayé avec des écouteurs, passer par la radio, t'es isolé un tout petit peu. Commençons par Amandine, qui entendait beaucoup de voix, puis a eu l'impression d'être touchée. Ensuite, Julien, qui a pareil, a l'impression de sentir des trucs à gauche et à droite, et qui a sorti la phrase « On vient d'un autre planète ». Tu mets deux et deux ensemble, alors est-ce que c'est quelque chose de notre planète? Je sais pas. Vu qu'on est dans le paranormal, on parle tout en fantôme. Je peux pas dire extraterrestre, même si j'ai envie d'y croire peut-être, ce type de choses, mais je sais pas. Plus de questions, comme toujours. Plus de questions. Mais qu'est-ce que c'était passionnant. Moi, j'ai kiffé la soirée. C'était ouf. C'était génial. Ouais, c'est comme si on était ailleurs. C'était complètement... Cette soirée, elle était dingue.